19h, j'en ai marre. Les deux rennes ont été vues, ça pend des deux côtés. Donc voilà. Les abeilles perdues ne sont plus perdues, ouais, c'est bilan de sirop. Je suis obligé de nourrir là sur ce rocher. Hein. Tiens, regarde le petit truc du bled là. Qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Est-ce qu'il y a une reine? Je vais garder une cellule pour foutre dedans au cas où. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Voilà, ça fait de la cire toute blanche. Alors, blanche de blanche, hein, tu veux? Elles sont pas sur la morse, elles sont à côté parce que c'est trop... C'est trop espacé. On est en train de détruire un nid de guêpe là. Enfin, vieux truc. Je vais leur remettre un peu de pâte trotte et un bout de candy. Hein. Est-ce qu'il y aurait une reine là-dedans? Ou quoi? S'il y a une reine, je la récupère et je l'introduis ailleurs, hein, parce que... Marrant, hein. Où j'en fumerais, je secouerais ça à côté, parce que... Tu vas voir qu'on a une reine. Ah ouais, ça pond. Donc en fait, tu vois, la boule d'abeille qui était au sol, bah, y avait la reine dedans. Donc la reine doit se trimballer par là. Voilà la réponse. Réponse à notre questionnement, les abeilles perdues n'étaient pas perdues, il y avait une reine vierge qui a mis un vrai moment à se faire féconder. Est-ce que ça vaut le coup qu'on laisse là-dedans? A, voter 1, B, voter 2. Oui, voter 1, non, voter 2. Tu l'as vu, je la cherche en même temps que toi. Hein. Où elle est? Essayer de récupérer. C'est fou, hein. C'est fou la nature, hein. Allez, je vais être cool, je vais remettre un petit candy prot. Un petit bout de candy là. Hein? Elle est où ma grosse? Bon, je vais chercher un candy prot et... Un tout petit bout et un petit bout de candy pour les foutre au fond. Mais tu vois, l'espacement n'est pas bon, donc pas de terrible. Hein. Ben voilà les gars. Ça avait donc essaimé avec une vierge qui a traîné à se faire féconder. Et elle s'est faite féconder très tardivement, quoi. Alors, c'est idéal pour vos abeilles. Ouais, j'ai un coup de mou. J'ai un peu éteint, si tu veux.
Bon, ben on a deux reines sélectionnées à F1 et puis on a une reine résiliente. Voilà.